Les grands moments de la Patrouille de France, c'est le défilé du 14 juillet, hein. Mais pas que, hein. La Patrouille de France, elle s'est exportée bien au-delà des frontières du pays. Tous ces lieux emblématiques dans lesquels la Patrouille de France s'est illustrée, qui ont forgé sa réputation pendant ces 70 ans. De neuf, Barry Keita et Keshou. Bien, droite, jambe. Chaque matin, en fait, on fait ce que l'on appelle la musique. Notre chef d'orchestre, c'est le leader qui va ordonner au son de sa voix toutes les manœuvres qu'il va exécuter durant le vol. Cadence, cadence bien, j'ai 2, 7. Et cadence, cadence bien, cadence encore, cadence mieux, cadence. Et go. La musique, elle est nécessaire pour pouvoir se projeter dans le vol. On s'imagine dans l'avion et on effectue toute notre partition comme cela. La particularité à Patrouille de France, en fait, c'est qu'on a un trinôme de, justement, le pilote, le mécanicien et l'avion, pour former qu'un. En début de saison hivernale, c'est le mécanicien qui choisit son pilote pour la saison. Pour les 70 ans, on les bichonne, il faut que les avions soient parfaitement prêts. Je vous écoute. Quand j'étais enfant, j'avais participé dans le public au 50e anniversaire. Donc, faire partie intégrante de la Patrouille de France pour les 70 ans, ça va me rappeler beaucoup de souvenirs d'enfant, on va dire. 4 fumées, oui. Impeccable. Bon, pour ce dernier vol à PDS, c'est bien fait. Eh bien, écoute, on a fait une heure de vol et l'avion est bon. Hein. Ok, ça marche. Il est sympa, ça. Voilà. Bah, tant mieux. Ouais, mec. À toutes. À tout à l'heure. Les 70 ans de la Patrouille de France, ça, dans un premier temps, on se sent chanceux parce que quand on était. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, d'être là en 2003 pour le 50e anniversaire. C'est vraiment là où je me disais, je m'imaginais ce que ces gens dans ces avions devaient ressentir en me disant j'espère qu'un jour je vivrai ça. Vraiment, on ressent une lourde responsabilité. Cette année spécifiquement, on va dessiner un 70 dans le ciel. On a choisi de le faire tous les 8 ensemble. Et donc ça nous a demandé quand même pas mal d'entraînement puisque enfin, déjà c'est des chiffres qui font plus de 1 km de large. Donc on a dû vraiment bosser ça tout l'hiver pour que ça soit visible. Et on espère que ça plaira à tout le monde. Donner du bonheur, faire rêver, mettre des étoiles dans les yeux, faire rayonner, c'est ça notre mission. Ouais.